Wow. Galates 3. On était comme ça nous-mêmes aussi, hein. Voilà. Galates chapitre 3, verset 1er. C'est bon? Alors, juste avant de lire ce passage, je voudrais dire que nous avons un grand programme le 18 décembre à Londres. Qui sont ceux et celles qui partent à Londres avec nous? Ok. Et donc, il y a Bolé qui est là, notre frère de Londres, qui va donner. On va faire une émission tout à l'heure pour que tu donnes tous les détails. Je pense qu'il faudrait donner un point de rencontre, comme je disais, un lieu de rencontre, hein, où les gens qui viennent du monde entier pourraient éventuellement se pointer pour ensuite les orienter, les diriger vers la salle. C'est bon? Tu rentres quand? Demain? Ok. Gloire à Dieu. Galates 3. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint d'avance et crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la chair ou par la prédication de la foi? Êtes-vous si insensé, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui donc qui vous donne l'Esprit et qui produit en vous les dons miraculeux, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, sachez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont enfants d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi a prêché d'avance l'Évangile à Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi ». C'est pourquoi ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses » qui sont écrites dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est écrit, le juste vivra par ou de la foi. Amen. Or la foi ne procède pas de la foi. La loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour les gentils en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Mes frères, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il parlait de plusieurs, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme parlant d'une seule et à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Gloire à Dieu. Voici ce que j'entends. Une alliance que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. À quoi sert la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Et elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Dieu est un et non trois, bien sûr. La loi est-elle donc La loi a-t-elle donc été ajoutée contre les promesses de Dieu? Nullement. Car s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a renfermé tous les hommes sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Or, avant que la loi vienne, nous étions
renfermés sous la garde de la loi, comme je le disais tout à l'heure, ma sœur, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a donc été notre pédagogue pour nous amener à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Alléluia. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Et parce que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni, il n'y a plus ni esclave, ni, il n'y a plus ni, car vous êtes tous un en. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité et héritier selon la promesse. Est-ce que vous pensez vraiment que dans nos églises, il n'y a ni juif, ni grec? Dans nos assemblées aujourd'hui, il n'y a ni blanc, ni noir, ni arabe, ni... Sincèrement? Non. Il y a quelques assemblées comme ça, effectivement, mais il y en a très peu. Où l'on voit vraiment que les nations sont confondues. Les cultures sont confondues. Les langues sont confondues. Et où on voit que les frères et sœurs n'ont plus cette notion de « moi je suis de telle race, toi t'es pas comme moi ». Et voilà. Mais on assiste aujourd'hui, ça a toujours été le cas, à des organisations dites chrétiennes où l'on voit des étiquettes telles que église, la communauté des églises d'expression africaine en France. Il y a un problème là. Il y a un problème. Soit on est en France et on s'intègre, et on ne va pas poser des bombes, on ne va pas fusiller les gens, n'est-ce pas? On s'intègre parce que, voilà, c'est la moindre des choses. Et quand on est chrétien, encore plus. On ne peut pas vivre en France étant chrétien, être en métropole étant antillais et ne chercher qu'une église où il n'y a que d'antillais. Il y a un problème là. On le lit. Il n'y a ni juif, ni grec. On le proclame. Mais quand je dis au pasteur, je dis aux gens, mais comment vous lisez cette parole? La loi, la croix a brisé cette différence-là. Mais pourquoi vous voulez vous cantonner entre vous là dans vos assemblées qui sont devenues des véritables sectes? Qu'un Congolais se sente mieux dans une église congolaise, mes amis, pour moi, ça pose un problème parce que je me dis, on doit se sentir à l'aise là où il y a la présence de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Tel un poisson qui se sent à l'aise dans l'eau. Mais si tu te sens à l'aise parce que le pasteur est congolais, c'est que tu as un problème, tu es raciste. On parle beaucoup du racisme des blancs vis-à-vis des noirs, mais on ne parle pas du racisme des noirs vis-à-vis des blancs. Les noirs sont plus racistes encore. Mais je vous dis. Parce que un Moulouba, c'est une ethnie, qui va épouser, n'est-ce pas, une Congo, là, c'est pas ça. Ils sont tous les deux du même pays, mais ça pose problème. Mais vous n'allez pas voir un Français du Nord poser des problèmes à son fils parce qu'il va épouser une Française du Sud. On va parler. De toute façon, moi je parle. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas toi qui me paye. Donc, j'ai pas une organisation qui me donne un salaire. Donc, je peux vraiment, librement, m'exprimer. Je n'ai pas un contrôle pastoral quelque part pour dire on va le calmer un peu là. Non. Écoutez, là, vous voulez fermer les locaux, fermez-les. Voilà, c'est tout. Même en prison, on va envoyer des lettres comme Paul, il n'y a pas de problème. Hein. La poste est toujours là. Hein. Voilà. Alléluia. Vous voulez qu'on parle encore? Non, moi, je me sens bien dans une église maghrébine parce que je suis du Maghreb. Tu as un problème. Et ça va te parler quoi là-bas? De couscous, voilà. On te réduit à un ministère couscoussien. Il y a un problème là. Hein? Il y a des prédicateurs comme ça. Vous vous rendez compte? Tu ne fais que... Et d'autres encore, on te réduit quoi? Moi, je suis pasteur congolais, donc du coup, toi, on te réduit à Zaiko Langa Langa. Voilà, donc toi, c'est... Ou encore au Francky Vincent, parce que il faut qu'on sorte de là. Tiens, ton voisin, il faut sortir de là. Voilà. «
Toi, tu vas prier là-bas, mais il y a plus d'antillais. Toi, tu vas prier là-bas, mais il y a plus de blancs. Mais vous avez un problème. Il y a des problèmes. Quand vous jetez un filet dans l'eau, vous attrapez quel type de poisson? On est d'accord, hein? Allez pêcher, vous allez voir. Quand vous lancez vos filets comme ça, là, vous n'allez pas dire aux dorades, non, 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 venez pas ici. Alléluia! Ah non, 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 pas ici, là, il faut pas... Non, 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 il faut... Mes amis, c'est quoi cet évangile, là? Il y a encore des barrières. Regarde, même quand tu as un programme de réveil, tu t'assois toujours à côté de la sœur qui parle ta langue. Tu as un problème? Tu es raciste? Et à chaque fois que vous entendez parler en dialecte, et celui qui est à côté là, vous voyez à quel point nous avons des problèmes. Vous voulez que je parle, non? On va parler ici, on dit tout haut ce que beaucoup de gens disent tout bas. Voilà. Quand vous parlez là, celui qui est à côté là, est-ce que vous pensez à lui? Il ne parle pas ta langue. Il n'y a ni juif ni grec. Oh Seigneur, sauve-nous. Merci pour les chewing-gums. C'est terrible. Hein? Un pasteur en Allemagne a témoigné, il s'est repenti. Il a mis une pancarte sur son bâtiment d'église hein, devant. Église africaine en Allemagne. Les Allemands qui cherchaient Dieu, ils passaient par là. Ils disaient non, c'est l'Afrique. Il priait pour le réveil. Dieu lui dit, mais en songe, hein, tu veux le réveil, mais tu chasses les Allemands. Il dit, mais comment? Il dit, mais oui, mais tu as dit, c'est pour les Africains. Donc les Allemands passent. Voilà. Oh, église évangélique arabe. Non, il y a un problème. Église évangélique africaine, il y a un problème. Église africaine martiniquaise, le pasteur est martiniquais, il n'y a que les martiniquais autour. Est-ce que ça existe ici en métropole aussi, non? Non? Qui a déjà vu ça? Église, le pasteur martiniquais, il y a plus de martiniquais, il est guadeloupéen, il y a plus de guadeloupéens, il est haïtien, il y a plus d'haïtiens. Église de la prophétie, comme on trouve ça beaucoup en Haïti, église de la prophétie, il n'y a que des haïtiens. Et là, c'est le compas là-dedans, là, compas. C'est le style de musique. Alléluia! Vous voulez qu'on parle encore? Amen. Une église où le pasteur est congolais et il n'y a que des congolais autour de lui depuis des années. Mais un Européen qui vient là, il va dire non, j'ai pas ma place ici. C'est que les deux là qui sont tout ensemble, les deux têtes là. Il y a un problème. Je ne sais même pas pourquoi je parle de tout ça, mais il faut que ça sorte. Une fédération, la fédération pastorale française. Un Africain qui va là-dedans, on va lui dire, non, non, mais vous avez une fédération là-bas. C'est comme ça se passe. Hein. C'est pour vous. La ségrégation spirituelle. La ghettoisation. C'est des ghettos. On crée des ghettos et on dit à Dieu, Dieu, oui, mes enfants, eh ben, viens te faire ghettoiser. Dieu dit non. Moi, je suis au-dessus de tout ça, là. Voilà. Je veux toucher mon peuple. Voilà. Vous voyez, déjà, on a ce problème-là. Il y a toujours, on veut toujours faire cette différence-là. Vous voyez, même dans le cas du mariage hein, entre chrétiens. On est là, hein. Alléluia, gloire à Dieu, c'est le réveil. Mais ton fils, là, ou ta fille, là, si elle veut épouser quelqu'un d'autre, comment tu vas réagir? Toi qui es spirituel. Tu sais, chérie, c'est vrai, il est peut-être converti, mais... Il n'est pas de chez nous, quoi. Je donne tout à Dieu, mais pas ce côté-là. Donc, Dieu doit me laisser avec ma culture. Donc là, c'est la chasse gardée. Hein. Donc là, ah non, non, non. On est chrétiens, mais quand les sœurs, vous, les femmes qui êtes là. Non, mais moi, c'est vrai, je veux un homme, mais... Ouais, je suis africaine, mais je ne veux pas un frère antillais. Il est gentil ce frère, mais je ne veux pas parce que, je t'assure, hein, tu vas rester célibataire à vie. Hein. Je veux vous parler honnêtement là, célibataire à vie. Et quand tu auras 80 ans, tu vas en train de mourir, Dieu dira, mais t'es passé à côté, mais comment? Mais il était là!
Ben oui, mais tu sais, nous en Martinique, on dit que les Haïtiens, il ne faut pas trop côtoyer. Mais comment ça? Je n'ai pas prévu de parler de ça. Ne pensez pas que quelqu'un m'a soufflé. Alléluia. On chante, nous sommes un. Dans le lien d'amour. Dieu dit, oh, vous êtes divisé bien comme il faut là. Hein? Alléluia. Mm-hmm. Je sais que beaucoup vont être délivrés encore bien comme il faut là. Bien. Seigneur, sauve-nous. Il y a un monsieur turc. Il vit en France. Il vivait en France. Sa fille, c'est des païens, hein? D'origine musulmane, bien sûr, cet homme. Sa fille amène un petit copain français de souche à la maison. Le monsieur n'en voulait pas. Il tue le jeune homme. Il se sauve en Turquie. Voilà. Et je suivais les informations hier. Et le papa de cet homme, de ce jeune homme, pleure. Parce que ce monsieur ne peut pas se faire rapatrier. Comment rapatrier, extrader. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que sa fille épouse un Européen. Mais si tu ne veux pas que ta fille épouse un Européen, mais pourquoi qu'est-ce que tu fais en France? Mais tu restes en Turquie, il y a beaucoup de Turcs là-bas. On acclame le Seigneur, frères et sœurs. Voilà. Voilà. Tu restes chez toi. Et quand certaines personnes vont parler de l'identité nationale, on va dire qu'ils sont racistes, mais il faut arrêter un peu de voir le racisme partout. Parfois, c'est le bon sens. Les gens sont fatigués. Un missionnaire africain va aux Antilles pour la mission. Il est célibataire, mais il va aller au pays pour trouver une femme, la faire venir au pays, en Martinique. Vous voyez pas que vous créez des problèmes vous-même? Ça veut dire qu'en Martinique, il n'y a pas de femme. Pour prendre leur argent, il n'y a pas de problème. Pour que ces femmes viennent nettoyer vos salles, il n'y a pas de problème. Donc elles sont vos esclaves. Maintenant, pour épouser quelqu'un, vous dites, non, il faut une africaine comme moi. Mais vous avez un problème, pasteur. Il vous faut une délivrance. Voilà. Vous voulez que je parle encore? On continue? Voilà. Oh non, mais moi, la France, ça ne m'intéresse pas, la France. Mais alors, qui te retient ici? Tu rentres? Et même si tu n'as pas de papier, tu peux rentrer facilement parce que il n'y a pas de problème pour ça. Alléluia! On acclame le Seigneur, frères et sœurs. On va parler. Oh, je n'aime pas ce pays. Tu vas parler chez toi, tu vas parler comment? Tu vas commencer où? On va te couper la tête, tu vas commencer où? Il y a des choses, nous on peut parler. Quand on va parler, on ne va pas dire qu'il est raciste. Non! Dieu veut qu'on parle. Et après, on va tuer des innocents. Voilà. Pour avoir 1000 femmes quelque part ou 10 femmes, 10 vierges. C'est l'enfer là, bien sûr. Oh, Galate, Paul dit, insensé. Si c'est moi qui dis ça, non, il parle mal, il n'est pas respectueux. C'est Paul qui dit, insensé. Qui vous a ensorcelé? Effectivement, quand on regarde beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est comme s'ils sont ensorcelés. On se dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Mais qui les a envoûtés? On voit bien que ce pasteur est un escroc, mais les gars, ils le suivent quand même. Il y a un problème. Quelqu'un qui vient, qui dit, non, moi, Dieu m'a donné cette ville. Il m'a donné cette région. Et du jour au lendemain, on ferme sa salle. La salle est fermée parce qu'il y a des dettes. L'apôtre maintenant déménage pour aller ailleurs. Mais vous ne voyez pas qu'il y a des escrocs? Vous ne voyez pas que ça ne va pas? Les gens sont comme envoûtés, ensorcelés. Plus vous les arnaquez, plus ils vous élèvent. Et effectivement, quand on regarde l'église primitive, elle a commencé par l'esprit. Le jour de la Pentecôte, l'esprit est descendu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus l'esprit. C'est le monde. C'est la chair. Et où sont les conversions?
Où sont les guérisons, les délivrances? Et on entend même des prédicateurs, soi-disant, qui prêchent la vérité, la sanctification, dire, non, mais vous, vous donnez le micro aux démons, tout ça, c'est pas normal de prêcher l'évangile. Mais attendez, le Seigneur, mais vous avez quelle Bible là? Si vous lisez bien, monsieur le prédicateur, vos Bibles, vous allez voir que partout le Seigneur passait avec des délivrances. Vous, dans vos églises, vous êtes tellement bien costumés, cravatés, qu'il n'y a plus l'onction. Vous n'avez que des beaux discours. Les démons sont là, assis, et ils ne sont pas inquiétés. Jésus entre dans une synagogue, il parle, les démons se manifestent. Ce n'est pas lui qui les provoquait. Il y a plus de possédés dans nos églises que dehors. Je vous dis la vérité. Parce que Paul dit quoi? Le Seigneur dit quoi? Lorsqu'un esprit impur sort, hein, il cherche à revenir, non? Ben, la condition de cette personne est pire que la première, n'est-ce pas? Quand on était dans le monde, on avait juste une... on était pire. Mais là, quand on vient au Seigneur et qu'on tombe dans le péché, eh ben, les démons reviennent plus qu'avant, on devient pire qu'avant. Eh ben, ça se passe. C'est pour ça que la pire des jalousies, c'est dans les églises. La pire des méchancetés, c'est dans les églises. La pire des escroqueries, c'est dans les églises. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient me voir pour dire je suis apôtre, je regarde, je prends du recul, mes amis, parce que je vous assure, hein, vous pouvez avoir un inconverti, va peut-être pas forcément vous arnaquer, pas tous, il y en a qui sont quand même avec une bonne moralité. Mais aujourd'hui, quand on dit apôtre, prophète, pasteur, mes amis, il faut bien discerner. Hein. Ah oui? Oh ma soeur, je vois que tu as une belle maison, on va faire une cellule de prière. Non, 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 laisse-moi prier d'abord Dieu. S'il me convainc, il n'y a pas de problème. Parce que si vous acceptez, vos meubles vont partir. On va commencer à vous sortir des prophéties du genre, il y a des démons dans les meubles et tout ça là. On sait comment ça fonctionne. Alléluia! Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira au nom de Jésus. Voilà. On peut tout dire parce que je n'ai pas d'église à défendre ici. Je n'ai pas un salaire à défendre. Donc du coup, je peux me permettre de parler. De toute façon, je n'ai pas le choix. Si je me taisais, je sais ce qui va se passer. Je n'ai pas le choix. On est parti trop loin là avec la vérité, donc on en va aller jusqu'au bout. Voilà. Ça passe ou ça casse. Qui vous a ensorcelé? L'église est née dans le feu. L'église est née dans l'esprit. Il y avait les dons de l'esprit. Il y avait des conversions. Il y avait des délivrances. Il y avait des miracles. Les païens qui venaient étaient convaincus du péché. Convaincus du péché, c'est écrit, hein? Paul dit quoi? Vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout le monde soit instruit. Aujourd'hui, ben on a établi des prophètes qui prophétisent seulement, et les autres, depuis 15 ans, tu reçois des prophéties, tu en fais quoi? 15 ans, tu fais la queue pour recevoir toujours les mêmes prophéties. Tu seras la tête, tu seras la tête, tu seras la tête. 15 ans, et quand est-ce que toi-même tu vas prophétiser aussi? Parce que tu as le Saint-Esprit, vrai ou faux? Eh ben Paul dit quoi? Tout le monde peut prophétiser. Alors? Chasser les démons, c'est pas une. On n'est pas des spécialistes de la délivrance. Hein. Il n'y a pas de spécialistes, hein, mes amis. Un seul est spécialiste, c'est le Saint-Esprit. Voilà, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu es chrétien, homme ou femme, tu peux chasser les démons. Voici les miracles qui accompagneront les hommes chrétiens. Ceux qui auront, les femmes qui ont cru, levez les mains ici, s'il vous plaît, ici. Donc, vous pouvez chasser les démons. Dis à ta voisine, ma soeur, c'est que les femmes, que tu peux chasser les démons aussi. Ma sœur, dis à ta voisine, tu peux aussi baptiser les hommes. Rappelle-lui les hommes bien musclés, tu peux les baptiser aussi au nom de Jésus. Les machos. Alléluia! On acclame la parole du Seigneur, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Dieu est bon, hein? Quand l'église est née, il n'y avait aucune fédération. Fédération baptiste, oulololo, fédération baptiste et pentecôtiste, il y a tellement de ismes aujourd'hui que le Seigneur, quand il nous regarde, il dit, mais ils sont ensorcelés. Ils ont commencé par l'esprit, ils finissent par le isme. T'es doux, moi je suis pentecôtiste. On est tellement fiers, moi à l'époque j'étais fier. Hein? Ah oui, assemblée de Dieu, oulolo. En 86, on se convertit, on était tout petit. On était fiers, on brandissait l'étiquette pentecôtiste. Ensuite, on nous amène chez les baptistes. Hein? On était fiers, baptistes. Et ensuite, on a porté notre étiquette, église de réveil, église évangélique. Et un jour, Dieu vient, il dit alors, moi dans tout ça, où m'as-tu mis?
Ben oui, mais tu es avec les baptistes et les pentecôtistes alors. Ah oui, mais tu es un peu avec eux et les catholiques. Ah ben oui, c'est autre chose, hein. L'Église romaine, là, c'est grave, hein. On vous pose la question, mais vous priez où? Qui est votre pasteur? Quand on répond Jésus, on dit, ben oui, on sait que c'est Jésus, mais qui est votre pasteur? Oui, mais c'est Jésus. David disait quoi? L'Éternel est? C'est écrit ou pas? Je ne manquerai de? Vous savez pourquoi vous manquez de tout? Parce que ce sont des hommes qui sont devenus vos bergers. Qui est ton pasteur? Mon pasteur, ça fait un choix à côté. Non, dis pas ça. Moi-même, là, j'ai un pasteur comme toi. C'est Jésus. Je suis ton pasteur où? Ah non? La preuve est que tu n'as pas mon numéro. Donc, je ne suis pas ton pasteur. Parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un que l'on peut invoquer. On est d'accord, non? Ah ben oui. Invoque-moi, je te répondrai. Ben oui, c'est ça le pasteur. Quand une brebis a un problème, elle appelle qui la brebis? Quand un loup vient pour attraper une brebis, qu'est-ce qui intervient? Le pasteur. Berger, vrai ou faux? Il a quoi? Un bâton, une houlette? Ben oui. C'est ça. Nous, le message que nous prêchons, c'est quoi? Nous voulons vous présenter le vrai pasteur. Nous voulons vous dire, ne vous arrêtez pas sur nous, nous sommes vos frères. Un seul mérite l'adoration. Un seul mérite la gloire. Un seul doit être acclamé, élevé, magnifié. Ah oui, c'est Jésus. Oh, ce roi arrive, on s'en fiche. Oh, c'est un tel prédicateur, il vient de la RDC, il est sur YouTube. On s'en moque. Dis à ton voisin, c'est de la poussière. Alors, le jour où il va s'allonger là, tout ça, là, définitivement, qui va te défendre? Hein? Oh, il prêche bien, ah bon? Et celui qui est en lui, là, c'est lui qui parle? Satan aussi parle bien. Hein? Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres. Ben voilà pourquoi aujourd'hui les verres pâturages n'existent plus. On vous donne un pâturage. Il n'y a plus de pâturage. Tout ce qu'on vous donne, c'est de l'herbe complètement sèche. Vous n'arrivez même plus à brouter. Tellement que tout le lait est parti. Les pieds sont fatigués, les pieds, là, on a tellement prêt, hein, on a tellement tiré dessus. Ah oui, je vous dis, c'est grave, hein. Quand Dieu regarde les églises d'aujourd'hui, là, Dieu pleure. Dieu pleure. Dieu pleure. Comment voulez-vous que le Maghreb soit touché? Comment voulez-vous que les nations soient touchées? Les gens ont perdu le message. Il y en a qui parlent de la sanctification, mais ils sont associés avec des pasteurs voleurs. Le message ne peut pas avoir d'impact. Celui qui prêche la vérité, il doit se sanctifier. La sanctification, c'est la séparation. On ne peut pas marcher avec des pasteurs voleurs, des pasteurs marchands de miracles. Les marchands du temple. Qui vous a ensorcelé, Église? Qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? On dit, il faut un pasteur. Chaque chrétien doit avoir un pasteur. Chaque membre doit avoir un pasteur qui doit l'encadrer, qui doit le suivre. Ah bon? Oui, Dieu a établi des hommes et des femmes pour aider les autres. Mais il n'y a pas que eux. Ils s'entraident. Les uns, les autres. Priez les uns pour les autres. Exhortez-vous les uns, les autres. On n'a pas dit exhortez seulement les autres. Tu exhortes et tu seras aussi exhorté. Ben oui. Tu récoltes ce que tu sèmes. C'est ça le royaume. Qui est ton père spirituel? Ah non, ah, c'est Dieu. C'est Dieu. Ah, je vois une onction sur toi, il faut que je te forme. Hein. Dieu ne m'a pas dit ça. Non. Avant, on était sous le pédagogue, la loi, de la loi. La loi était là pour nous. Mais aujourd'hui, regardez nos églises. Elles se sont mises elles-mêmes sous ce pédagogue, c'est-à-dire la loi de Moïse. La loi de Moïse impliquait quoi? Parlait de quoi? Du temple de Salomon. Aujourd'hui, ben, ils construisent des temples. Au lieu de dire aux chrétiens, c'est eux qui sont le temple du Saint-Esprit. Dieu veut habiter leur cœur. Ils disent non, c'est la maison de Dieu. C'est quoi? Ce bâtiment-là, ça là? Brique!
C'est pas ça l'église. Ils mettent des panneaux dessus, église pentecôtiste. Mais ça, c'est pas l'église, ça. On nous a menti. Cathédrale, basilique, tout ça là, c'est Babylone. D'être, on va dire Babylone. Bah oui. Voilà. Et on sait, hein, quand on rentre dedans, on est spirituel. Hein. On est trois fois saint. Et on néglige les vrais temples. Attention, le dimanche, ou le Shabbat. Il y en a, ils vont en Israël maintenant pour chercher le Shabbat. Oh non, on observe le Shabbat. Ils n'ont rien compris, ces gens-là. Que Dieu les aide. Ils vont prier sur le mur de lamentation, mettre des petits bouts de papier là-bas. Ils sont tels. C'est un syndrome comme ça, hein? Syndrome de Jérusalem. C'est un démon. Je suis allé en Israël. Mes amis, j'ai fait juste une matinée à Jérusalem, je suis allé tout seul. Je voulais voir. Qu'est-ce qui se passe avec ce syndrome? Comme j'étais un peu aussi fatigué, attaqué, je dis bon, il faut que j'aille je vais aller voir un peu là, me reposer. Dieu m'a dit, il faut y aller. Je prends l'avion, j'arrive à Jérusalem, tout ça, on me bloque à la frontière, parce qu'il faut des groupes. Dis, vous allez faire quoi tout seul? Ben, je viens voir ce qui se passe ici. Alléluia! Mais vous faites quoi, monsieur? Je dis, ben, je suis un prédicateur, je suis un écrivain, conférencier, je veux voir ce qui se passe. On a discuté, et puis bon, vous passez. Je prends un chauffeur. On parle en anglais, vous savez, quand on est comme ça, là, l'esprit nous inspire. Hein? Tout ça, c'est en anglais, pas en français. Hein? On se débrouille. Hop, à l'hôtel. Le lendemain, on va à Jérusalem. Tel Aviv, Jérusalem, pour aller voir. Je voulais voir, parce que les gens sont ensorcelés. Ils font le pèlerinage tous les ans en Israël pour aller adorer Israël. Dieu aime les nations. Dieu aime Israël, mais il aime aussi la Palestine. Dieu aime les nations. Alléluia. Voilà. Et là, j'arrive à Jérusalem, je déjà à Tel Aviv, je vois deux hommes main dans la main, je dis, oula, Israël aujourd'hui c'est comme ça? Main dans la main, et puis tout le monde trouve ça normal, oulala, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde est indifférent, je dis, oula, ok. Premier choc. Tu arrives à Jérusalem, tu vois les... C'était... le Lubavitch, tout ça, là, c'était... Bon. J'avais juste une matinée, je veux juste faire une matinée à Jérusalem, je ne veux plus repartir, je veux juste voir, comprendre ce qui se passe. Les gens sont ensorcelés. Et tu vois des religieux, des chrétiens du monde entier dans l'adoration de la ville. Hein, je vous dis, il y en a, ils sont chrétiens évangéliques dans la tombe de Jésus, ils sont à genoux. Oh Seigneur mon Dieu. Pourtant, l'ange a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia! Ils sont là. Il y en a, ils prennent leur mouchoir, ils pensent qu'ils vont partir avec l'onction. Les gris-gris. Tu vois des chrétiens africains arriver en masse, des chrétiens français. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, partout on pense, nous les Français, là, quand on arrive quelque part, forcément tout le monde sait que c'est les Français qui arrivent. Hein. Oula, les évangéliques France, tout ça, Seigneur Jésus. Je vais, n'est-ce pas, au mur de lamentation là, hein, aux abords de ce bout de mur là pour voir un peu. T'arrives là, tout le monde avait sa kippa, tout ça là, tout le monde. Moi sans kippa, je débarque comme ça, et tu vois les gars, ils te regardent bizarrement, ils disent mais qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur là, hein, ce bout de monsieur qui vient ici nous embêter, et pas de kippa. J'étais là avec le chauffeur, tout ça, qui était en même temps un guide pour moi. Et puis, tu vois des chrétiens, des pasteurs français qui, avec leur bout de, pasteurs africains, avec leur bout de machin, de papier, tout ça, là, dans les... T'as les petites fissures, là, tac, ils mettent ça. Ils mettent quoi? Dieu, souviens-toi de moi. Dieu, donne-moi l'onction. Le Seigneur a dit quoi à la femme samaritaine? L'heure vient et elle est déjà venue. Où ce ne sera ni à Jérusalem, ni dans la montagne, là-bas. Où il faut adorer le Père. Ni à Jérusalem, car Dieu est. Et il faut que ceux qui l'adorent. En esprit et en. Oui, Dieu aime Israël. Dieu reviendra, Dieu va restaurer cette nation. On le sait. Mais Dieu n'a pas dit qu'il faut adorer les nations. Il y a des femmes qui sont venues me voir il y a quelques mois. Elles étaient complètement illuminées. Oh, Dieu nous a dit qu'il faut absolument que tu commences à prêcher Israël. Je dis, oh lolo, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Moi, Dieu m'a dit. C'est écrit que quand l'Esprit viendra,
il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de Jésus-Christ de Nazareth. Ma Bible me dit que je dois élever Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que la parole me dit. Et de respecter tout le monde. Et j'ai une reconnaissance vis-à-vis d'Israël, des Juifs, parce qu'ils nous ont transmis la parole. Dieu est passé par eux. On bénit Dieu pour cela. Mais attention, il ne faut pas devenir idolâtre. Vous savez, on fait des transferts. Hein? Avant, c'était Lourdes, le Vatican. Aujourd'hui, ben, c'est Jérusalem. Aller visiter une ville comme tout le monde, ok, il n'y a pas de problème pour voir des sites historiques, ok. Mais de là à ramener, j'ai vu sur le retour à l'aéroport de Tel Aviv, j'ai vu des boutiques, je suis allé voir un peu parce que je suis curieux, j'aime bien découvrir un peu. Je fais beaucoup de recherches. Et je vais dans ces magasins pour voir. Et tu vois des bouts de terre dans des petits sachets, on les vend. Et tu vois des chrétiens évangéliques qui faisaient la queue pour ramener quelques bouts de terre d'Israël. Il y a même des pasteurs qui vendent de l'huile qui vient d'Israël. Hein, un flacon comme ça, là, par exemple, c'est 500 euros. Je vous dis, 500 euros, un petit flacon comme ça, on dit que ça vient d'Israël. Et comme les chrétiens sont idolâtres, beaucoup sont idolâtres, ils payent. C'est pourquoi je vous dis qu'on veut nous tuer, parce que ce message-là dérange énormément. Des boutiques ferment, hein, je vous dis. Hein. Allez voir sur les sites soi-disant chrétiens évangéliques. On vous vend des petits bouts de terre d'Israël, hein, des petits flacons d'huile d'Israël. Il y a toute une panoplie d'articles. C'est l'église de Laodicée. C'est le commerce. Vous ne voyez pas que c'est le commerce? Un pasteur sort son livre ici à Paris. Il le dédicace. Le jour de la dédicace, c'est combien le livre? 1500 euros le livre. 1500 euros, il a commencé par là. Et les gens font la queue pour acheter ça, pour s'endetter. Un monsieur américain évangélique, soi-disant prédicateur de la prospérité, qui est très connu, je ne vais pas dire son nom pour ne pas faire sa pub, il part au Congo RDC, il vend son livre. Vous savez combien il a fait? Combien il a vendu dans un stade? Aux enchères, 15 000 dollars. 15 000 dollars, son livre, un seul livre. Et vous savez, est-ce que vous savez combien gagne hein, le SMIC là-bas? Combien c'est? C'est à combien? 30 dollars. Et ces hommes se disent, prêcher la vérité, prêcher le ciel, mais ce sont des voleurs, ils sont plus dangereux que beaucoup d'inconvertis. Et les chrétiens sont là, oui, oui. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le pasteur qui l'avait organisé. Parce que pendant ce programme, dans ce stade-là, une sœur qui faisait partie de sa chorale est tombée raide mort. Elle est morte sur le coup, en plein séminaire. Je l'ai appelée, je lui ai dit, je veux te voir. Parce qu'il faut que je parle avec toi, parce que vous êtes devenu un pis. Tu ne vois pas que Dieu a frappé? Il dit, oh, homme de Dieu, après l'enterrement, je veux te voir. Fini. Il s'est sauvé. Un autre, il prend le micro, il dit devant son assemblée, faites attention, l'antéchrist est arrivé à Kinshasa. Faites attention, il a une église de 4000 membres. On me l'a rapporté. Je lui ai dit, ok, je vais l'appeler. Et moi, quand c'est comme ça, j'appelle. Bonjour, pasteur, bonjour. Oh, homme de Dieu, depuis quand es-tu à Kinshasa? Je dis, oh, on va se voir. Oui, oui, je viens aujourd'hui à 14h. Je l'attends, je l'ai attendu toute l'après-midi, la soirée, personne n'est venu. Il dit, voilà, les gens sont ensorcelés. Je vous dis une chose, si l'Afrique ne va pas bien comme ça, c'est à cause des églises. Hein? C'est à cause des églises. Dieu sauve-nous. Quand tu vas en Haïti, des gens, des enfants qui mangent de l'argile, qu'ils font cuire. Et les églises, des pasteurs demandent la dîme. Combien parmi ces églises ont construit d'orphelinats? Combien? Combien parmi ces églises ont construit des maisons pour des veuves? Et vous voulez que je me taise? Vous voulez qu'on se taise? Ils sont là, ils suivent les enseignements, ils sont associés entre eux, ils aiment les associations. Un prophète n'est pas associé avec d'autres pasteurs ici et là. Un prophète est un homme solitaire. Un vrai prophète, c'est quelqu'un qui crie. Ils sont dans leurs associations pour s'inviter les uns les autres, pour aller remplir leurs bâtiments. Frères et sœurs, combien parmi ces églises nourrissent-elles
les pauvres, les malades. Vous en occupez combien? On vous a prêché un évangile de la prospérité. Venez à Jésus, vous serez milliardaire. Vous n'avez pas besoin de ça pour... Vous voulez être milliardaire? Allez travailler! C'est pas parce que vous parlez en langue que vous serez riche. Hein? C'est parce que vous payez la dîme que vous serez riche. Je suis allé au Maghreb, des églises dans le Maghreb cherchent des partenaires financiers, chrétiens, évangéliques, américains essentiellement, leur envoient des photos de leurs assemblées. Vous savez comment ça se passe pour la plupart de ces églises? Ça va inviter les gens, des musulmans non convertis, à un repas. Ils les prennent en photo, ils envoient là-bas pour dire, voilà, nous sommes 50. Et ces églises aux États-Unis financent, envoient de l'argent. C'est un business, c'est l'église de Laodicée, un business qui est sous le contrôle de Lucifer et beaucoup d'hommes politiques manipulent ces églises-là pour calmer les esprits, c'est l'opium du peuple, comme disait Karl Marx. Vous n'avez pas tort là-dessus. Là. Voilà. Les gens pensent aller au ciel, ils vont en enfer. Ils pensent à quand ils meurent comme ça, là, ils crient, « Oh Seigneur, sauve-moi, je suis chrétien !» Il dit non, tu n'as pas été chrétien, tu as été ensorcelé. Pourquoi ceux qui nous viennent nous voir, frère, c'est quoi mon ministère? Je leur dis, vous n'avez pas compris encore. Vous êtes encore là en train de chercher quel est votre ministère là. Vous n'avez pas compris. Seigneur, sauve-nous. Dieu nous a libérés de ce pédagogue, la loi. Mais nous-mêmes, nous disons nous-mêmes, non, nous voulons absolument que la loi nous domine. C'est pour cela. On vous impose le Shabbat, on vous impose le dimanche. C'est pour cela, on vous impose forcément les bâtiments. Vous-même, vous cherchez absolument les bâtiments. On dit, il y a deux ou trois fois qu'ils prennent dans un appartement. On dit, non, le jour où vous trouvez une salle, je viendrai. C'est ça l'église. Et c'est bien quand vous vous retrouvez comme ça, vous commencez à chanter vous-même. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne sur le piano pour commencer à... Non, chantez vous-même comme vous le faites. Voilà. Témoigner de Christ. Vous êtes là sur Facebook. Comment vous mettez vos photos là sur Facebook? Je vois parfois là. Moi, je n'ai pas de compte Facebook. J'en veux pas. Vous allez dire, mais ouais, pourquoi vous êtes sur Facebook avec TV de vie? Parce que quelqu'un a ouvert un compte Facebook. Une femme, quand on lui a dit, mais non, mais tu ne nous as pas consulté. Ça ne lui a pas plu. Maintenant qu'elle avait beaucoup de likes là, tout ça, eh bien, non. On ne va pas te laisser faire comme ça là. Parce que si tu commences. C'est pas nous là. C'est pas nous. Beaucoup veulent se servir de ça, là, de cette de ces vagues là, de réveil là, pour pouvoir se faire de l'argent. Non. Voilà. Tu vois des photos des gens sur Facebook. C'est pour ça qu'il y a un jeune qui vient souvent là, de loin là. Il est tout le temps qu'il y a des programmes. Je lui dis, celui-là, là, le jour où je le verrai, je veux le chasser moi-même. Vous direz, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Il n'est pas l'amour, ah bon? Quelqu'un qui vient, qui couche avec quelqu'un, couche avec une femme, on lui dit, repends-toi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, ça vient, ça va sur Facebook, ça met son corps en l'air, ses biceps. Ah non, mais vous moquez de qui là? Ah non, nous ne voulons pas nous rassembler ici pour nous regarder. Hein. Nous voulons nous rassembler pour adorer Dieu en esprit, en vérité, et nous voulons aller au ciel. Celui-là, Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Je dis, celui-là, si je l'attrape, c'est au moins la dixième fois, pendant 10 fois je l'ai averti. Je dis, celui-là, si je l'attrape ici, je lui dirai, sors de là, ne reviens plus. Nous ne voulons pas que les bâtiments soient remplis, nous, et les maisons soient remplies, nous voulons que le ciel soit rempli. Peuple de frères et sœurs qui veulent être sauvés, frères et sœurs. Et c'est ça l'évangile, mes amis. C'est ça l'évangile. Oui, on n'acclame pas les hommes, on acclame le Seigneur ici, mes amis, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On n'a pas la vision, mes amis, de se faire de l'argent. Oui, venez remplir les bâtiments, comme ça vous allez payer, vous allez donner. Non, c'est pas ça le message, hein, c'est pas ça le message. On ne veut pas être ensorcelé. On veut rester sur le message de la sanctification. Vous les hommes, vous venez ici au programme, vous mettez vos torses là en l'air comme ça. On n'a pas besoin de ça là. Fermez bien vos chemises là, vos boutons là, tout ça là, c'est bien. On n'a pas besoin de voir vos poils là ici là. On n'a pas besoin de ça ici. Regardez-vous, fermez-moi tout ça là. Je sais à qui je parle. Il faut me fermer ça parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui... voilà. Il faut me régler ça là. On n'est pas ici pour séduire qui que ce soit là, mes amis là. Vous les jeunes filles, vous mettez vos maquillages, vous exagérez comme ça dans vos maquillages là, tout ça. Vous pensez que vos yeux là, vous pensez qu'on ne voit pas vos yeux là. Vous voulez séduire qui ici?
Alléluia. Ce n'est pas un bar. Hein. Ce n'est pas une boîte de nuit. Non. Ce n'est pas un lieu de rencontre de copains. Ce n'est pas de la camaraderie. Vous ne voulez pas? Mais c'est votre problème. Voilà, on ne va pas vous supplier pour aller au ciel. Dieu est bon. Beaucoup de païens ne veulent pas, je vais finir bientôt, ne veulent pas prier parce que ils se disent, mais regardez-moi, c'est l'arnaque. Ça saute aux yeux, c'est l'arnaque. Ça saute aux yeux. Voilà, qui a 1000 euros ici, qui a 500 euros là-bas, qui a machin. Qui... Vous, un prophète, il va à mission, il est torse nu, prophète. Ça, on trouve ça beaucoup aussi chez les Français de souche. Hein. Prophète torse nu. Il est avec sa femme, avec les enfants torse nu. Voilà, petite vidéo, un petit extrait, tout ça. Sur la montagne, ça se balade dans la nature, torse nu. Mais c'est un possédé. Alléluia! Gloire à Dieu! Pasteur qui part à la plage avec les brebis. Pasteur ventre en l'air, il est à la plage. En train de se plagier, en train de se machin là. Attendez, j'invente des termes parfois, ne vous inquiétez pas. Alléluia! À la plage, avec l'assemblée, on va à la plage. C'est comme si moi je vous disais, mes amis, demain on va à la plage. Vous vous rendez compte là? Et les femmes qui sont combattues, on leur ouvre les bras là, c'est compliqué. Les hommes qui sont faibles, attention! Alléluia! Tu vois ton pasteur en maillot de bain, ça va rien te faire toi? Dis à ton voisin, il y a beaucoup d'hypocrisie. Non, c'est pas grave, mais tu sais, chez nous, il y a les eaux chez nous, il n'y a pas de problème chez nous. On va tous à la plage, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, oui. Regardez l'état du pays. 40 degrés, tout le monde à la plage. Hein, on fait une pause le dimanche matin à l'église à la plage. Ça, où nous sommes à Martinique. La première fois que j'ai parlé de ça, les gens ont dit, oh, ça y est, lui, c'est un Africain, il ne connaît rien. Ah, alléluia! Vous voulez que je parle encore? La chantre, là, quand tu la vois en maillot de bain, ça te fait rien, ça? Hein? Non, c'est pas grave parce que la Bible dit quoi? Fuyez-les, hein? On n'a pas dit résister. Résister à Satan. Mais au démon d'impudicité, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme Joseph. On prend ses jambes à son cou. Oh, cours! Apôtre ou pas, courez! Alléluia! Dis à ton voisin, cours! Sauve-toi! Holy God. Oh, j'aime le Seigneur. Vous savez combien de fois on court là, mes amis, le nombre de fois on a couru là. On continue à courir. Hein? Tu vas voir ton frère. Frère Chora, tu vas où? Laisse-moi courir. Alléluia. S'il te plaît, arrête-toi un peu de l'eau. Laisse-moi courir. Parce que je veux être sauvé. Alléluia. Ben oui. On trouve Joël, Joël il court trop vite, mais laisse-le. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume, qui veulent au ciel. Le royaume appartient aux violents. Ne laisse personne t'envoûter. Ne laisse personne t'ensorceler. Ne laisse personne te parler du ministère. Que les gens te parlent de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, il est beau. Il est comment? Il est beau. Il est beau. Ah ben voilà. Je veux. Moi, je veux qu'on me parle de Yeshua. Je veux finir par lui. On commence par lui, on finit par lui. Parlez-nous de Jésus de Nazareth. Là où il y a Jésus, il se passe des choses, forcément. Là où il y a Jésus, il y a des baptêmes. Dis à ton voisin, il y a des baptêmes. On ne dit pas non, il faut d'abord 2 ans d'enseignement. Et si je meurs entre-temps? Baptisez-les et enseignez. Ah bah oui, il faut enseignez-leur. Cette parole. Ah oui. C'est pour cela que nous avons des gens qui viennent et qui confessent. Ah pardon. Voilà ce que je pensais, voilà ce que je voulais faire. En tout cas, pardon. Pourquoi? Parce qu'on leur parle du ciel, on leur parle de Yeshua, on leur parle du salut. Et quand ils entendent ce message, ils se disent, ah non, je veux être sauvé. L'éternité, ah, bats-toi pour l'éternité. Bats-toi. Combien de fois les gens ne sont-ils pas venus?
frère, viens, on va se faire de l'argent. Je dis, non, moi, me faire de l'argent sur le dos du Seigneur, non. Avec la parole, non. Non, je veux le ciel. Viens, tu auras beaucoup de choses. On m'a appelé, on m'a dit, tu auras 30 000 euros par mois. J'ai dit, je refuse. Là, c'est un pasteur français qui m'a appelé. Il dit, on travaille avec des pasteurs africains. Tu auras 30 000 euros par mois. Je lui dis, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Mon père me donne la santé. Mon père me donne la force. Il prend soin de moi de A à Z. Donc, je préfère marcher par la foi. Car le juste vivra par la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Qui veut plaire au Seigneur? Qui veut lui plaire? Eh bien, c'est la foi. C'est quoi la foi? On te dit, non, il faut absolument que tu trouves cet homme de Dieu va t'imposer les mains. Tu dis, oui, c'est vrai, ça, Dieu l'utilise, c'est mieux. Mais je veux que Dieu me parle d'abord. Je veux voir Dieu face à face. Dieu dit, celui qui me cherche me trouve. Oh, alléluia, oh. Plus tu désires vivre Dieu, plus Dieu va se révéler à toi. Plus tu veux expérimenter la puissance de Dieu, plus Dieu viendra chez toi. Il n'y a pas une porte qui soit assez blindée pour empêcher Jésus de pénétrer dans, oh alléluia, dans cette maison. Il n'y a pas une seule entrée qui puisse résister à la puissance de Yeshua. Il dit, porte, élevez vos linteaux. Le problème c'est toi, il faut simplement que tu élèves tes linteaux là. Le roi de gloire va faire son entrée. On a dit le roi de gloire. Si tu expérimentes la puissance de Dieu, c'est la gloire qui viendra chez toi. Et si la gloire vient chez toi, oh, alléluia. Tes enfants sont protégés naturellement. Tes enfants sont automatiquement protégés. Ta famille, tes parents, tes frères et sœurs. Jesus Christ. Avec Dieu, nous sommes, mes amis, forts. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Celui qui marche avec Jésus de Nazareth, même si tout le monde est contre lui, frères et sœurs, c'est qu'une question de temps. Oh, alléluia. Ils vont tomber tout au long des années. Oh, alléluia. Et toi, tu seras toujours debout. N'est-ce pas que la parole le dit? Celui qui, alléluia, heureux, béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite. Il est comme un arbre planté. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Jesus Christ. Oh, my God. To see your face. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ce courant d'eau, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de feu, c'est le maire de feu, c'est la gloire de Dieu. Oh, Jesus Christ. Oh, alléluia. Il y a quelque chose ici, là. Ce courant d'eau, c'est ce fleuve d'eau vive qui coule, jeune homme, qui coule, mon frère, de ta vie, qui va toucher les nations, qui va impacter tes... Oh, alléluia, Jesus Christ. Holy God. Tu es un arbre. Et les gens veulent t'ensorceler. Ils veulent t'envoûter. Mais tu as compris que tu ne peux pas te laisser faire. Tu as compris que tu es un arbre que le Père a planté. Il ne t'a pas planté dans un désert. Il t'a planté près d'un courant d'eau. Et ce courant d'eau, c'est l'onction de l'Esprit de feu. Daniel a dit, il a vu une mer de feu. C'est ce courant d'eau là. C'est une mer de feu. C'est le feu du réveil. Ce matin, je dormais, Dieu me donnait un chant de réveil. Et je voyais un vent de réveil souffler, mes amis. Et les vrais enfants de Dieu, ceux qui sont comme plantés comme des arbres, frères et sœurs, ils vont reverdir, ils vont porter des fruits. Ils vont, mes amis, produire les œuvres de Dieu. Alléluia! Tu as commencé par l'Esprit, tu finiras par l'Esprit. Tu as commencé par la gloire, tu finiras dans la gloire. Tu as commencé par l'onction, tu mourras dans l'onction. Tu as commencé par la guérison, tu finiras dans la guérison. Oh, Jesus. La gloire est là.
La gloire de Dieu. Oh, holy God. You are holy God. You are holy God. You are Father. La gloire est là. La gloire est là. Jesus Christ. La gloire est là. Les guerriers et les guerrières. Les plantes que Dieu a plantées. Oh, alléluia. Holy God. Qui t'a dit que tu es stérile? Qui t'a dit que tu ne peux pas concevoir? Qui t'a menti? Qui t'a condamné? Qui t'a dit que tu allais mourir? Celui qui t'a appelé n'a pas dit, alléluia, que tu allais mourir. Il a dit que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu vas raconter la gloire de Dieu. Jesus. Jesus. Dans ce feu de gloire, Jesus. Respectons cette présence, cette gloire. Dans cette gloire, les démons sont chassés. Dans cette gloire-là, ce démon qui voulait ta mort, aujourd'hui c'est son jour. Le jour où il doit quitter ta vie, où il doit quitter ta famille, où il doit quitter ta famille. Maintenant, c'est un ordre que je te donne, démon impur. Tu vas lâcher cette famille, tu vas lâcher cette famille, tu vas t'en aller et ne plus revenir au nom de Yeshua. Tu as été vaincu à la croix au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Le Père est celui qui t'a planté, qui peut te déraciner. Tu es cet arbre-là, on te coupe, tu repousses. Parce que tu es arrosé. Parce que tu es alimenté. Oh, alléluia. C'est le Père lui-même qui t'émonde. Hier, on t'a trompé. Hier, tu cours après les pasteurs, après les hommes. Hier, tu pensais qu'il fallait trouver absolument une église. Aujourd'hui, tu as compris qu'il faut trouver le royaume de Dieu. On peut te chasser d'une église locale, mais on ne peut jamais te chasser du royaume de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, celui que mon Père tient dans sa main, personne ne peut le sortir de là. Personne ne peut ravir mes brebis de la main de mon Père. Dieu te tient dans sa main, femme. Il tient tes enfants dans sa main. Et personne ne peut les ravir, personne ne peut les sortir de là. Si Dieu t'a donné cette fille, ce n'est pas pour que tu la perdes. Ce n'est pas pour que quelqu'un la tue. Dieu te l'a donnée. Et tu l'as consacré à Dieu. Et Dieu te dit, ma fille, cette fille que tu m'as consacrée devient ma fille. Alléluia, ma main est sur sa vie. Alléluia, ma main est sur sa vie. Oh, alléluia, glory God. You are holy. La puissance de la résurrection vient briser vos chaînes. La puissance de la résurrection vient libérer vos âmes. Oh, alléluia, glory. Qui peut t'éteindre, toi que Dieu a allumé? Qui peut t'éteindre alors que Dieu t'a allumé? Tu es comme une mèche que Dieu a allumée. Tu es comme une lampe que Dieu a allumée. Qui peut t'éteindre? Alléluia. Voilà pourquoi les Galates, ils ont été comme ensorcelés, mais Dieu a envoyé Paul. Paul est venu avec un message. Il y a eu de nouveau un réveil. Voilà pourquoi Dieu te dit, alléluia, toi qui as connu le réveil, toi qui as été visité chez toi, je veux de nouveau te rendre visite. Je veux de nouveau te visiter, mon enfant. Je veux de nouveau te visiter et tu connaîtras ma puissance véritable. Tu connaîtras ma gloire, alléluia, Jesus Christ. Oh, alléluia. Holy. I, Lord God, Almighty, Holy Zealand. Tu es saint, saint. Le Seigneur
Dieu Tout-Puissant, digne l'agneau, digne l'agneau, Jésus, tu es saint, saint, saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne l'agneau, digne l'agneau, tu es. Et pas, Seigneur, merci. Hier, tu étais comme un instrument entre les mains de l'ennemi, un instrument, l'instrument du péché. Femme, le Seigneur est en train de te sortir des traditions. Il est en train de te sortir de la mort aujourd'hui. La mort voulait te frapper. Aujourd'hui, c'est ta délivrance définitive. La mort te quitte, la mort te quitte, la mort te quitte. Sors, 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 sors. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Je veux que tu lâches cette femme. Je veux que tu lâches. Toi-même, tu vas enlever toutes ces chaînes que tu as mises autour d'elle. Au nom de Yeshua. Une personne est venue pour la première fois. Tu as tellement de soucis. Oui, c'est ton jour. Le Père t'a attiré ici parce qu'il veut te rendre totalement libre. Cette chose qui t'embête depuis des années, cette chose est en train de quitter définitivement ton âme. Au nom de Yeshua, alléluia, oh alléluia. Cette malédiction que Dieu brise aujourd'hui, ma sœur, au nom de Yeshua. Le Seigneur est en train de te rendre libre. Il est en train de te nettoyer, de te rendre libre, au nom de Yeshua. Tu as cherché la délivrance, tu as cherché la restauration. Le Seigneur te dit, mon enfant, au nom de Yeshua, alléluia. Tu as comme un fardeau sur tes épaules qui t'écrase. Seigneur, merci pour ta guérison. Une autre femme est venue pour la première fois. Tout autour de toi, tout s'écroule autour de toi. Tout s'écroule. Tu vois tout tomber, tout, n'est-ce pas, s'écrouler. Tout ce que tu as construit pendant des années. Et tu es comme, n'est-ce pas, figé dans le temps. Tu es comme, n'est-ce pas, et arrêté et tu n'en peux plus. Tu es venu tout en criant au Seigneur pour qu'il te voie, pour qu'il te parle, pour qu'il te réponde, pour qu'il te fasse grâce. Dans son amour, le Seigneur vient vers toi et te tend la main et te sort de là. Car il t'aime. Quelqu'un d'autre commencer à douter de l'amour de Dieu pour sa vie, pour sa personne. Tellement que tu es écrasé, tellement qu'on t'a écrasé avec des paroles dures. Tu as fait plusieurs assemblées, tu as donné aussi beaucoup d'argent. Et tu avais besoin d'être fortifié. Je parle aussi à une autre jeune femme, jeune fille qui n'a pas reçu l'amour du Père. Et le Seigneur vient, jeune fille, comme un père, il vient te restaurer. Dieu veut guérir ton cœur de l'amour, cet amour que tu n'as pas reçu, cet amour qui te manque. Et tu es venu, et le Seigneur veut être ton père. Le Seigneur est en train de restaurer ta vie. Il veut donner un sens à ta vie. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Viens, jeune fille. Dieu veut te faire du bien. Ouais. Majesté. À lui la majesté. Vous connaissez ce chant? À Jésus,
soit louange, honneur et gloire. Amène-moi Jean, cette femme aussi. Là. Celle qui pleure. Là. Dieu veut te rendre libre. Dieu veut te restaurer. Dieu veut guérir ton âme, ton corps, ton cœur. Il y a beaucoup de choses qui te fatiguent. Beaucoup de choses qui t'épuisent. La vie même t'épuise, te fatigue. Tu as vu à quel point l'homme peut être méchant. Tu as tellement fait confiance. Les hommes t'ont déçu. Cet homme t'a déçu. Et Dieu te dit, je veux te guérir, je veux te délivrer. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Jesus Christ. Jesus. Oh, cet homme t'a beaucoup blessé. Cet homme t'a beaucoup déçu. Tu lui as tellement fait confiance. Oh Seigneur, Dieu t'a attiré ici pour te parler. Merci d'un cœur reconnaissant. Bien. Oh Seigneur, notre Dieu, parce qu'il n'est pas trois fois saint. Alléluia. Il est plus que ça, gloire à Dieu. Vous pensez que Dieu peut la restaurer? Oh Jesus. Jesus. Oh Seigneur, sois guérie, femme, au nom de Yeshua. Oh. Waouh. Regarde. Dieu t'aime, regarde-moi. Il t'aime beaucoup, tu sais qu'il t'aime beaucoup. Mm-hmm. Bon, maintenant toi tu vas t'occuper des veuves, tu vas t'occuper des orphelins aussi. Hein? Tu vas beaucoup travailler au port au prince là-bas. Là. Hein? En Haïti, il va beaucoup t'envoyer là-bas pour aider les gens là-bas, pour aider les pauvres, tu comprends? Oui. Maintenant, tu vas marcher par la foi, il a vu. Hein? Tu vas beaucoup travailler au port au prince là-bas. Là. D'accord? C'est bon? C'est bon, c'est guéri, il t'a guéri. Il t'a guéri, il t'a soigné, c'est bon, on est chaud. Tu vas distribuer du pain, je te vois donner du pain, donner à manger aux gens. Jesus. Il te guérit. Amène un sac, amène un sachet. Ça sort, femme de Dieu. Ça fait plaisir. C'est l'hôpital, hein? Amen. Holy God, qui connaît Arlette? Est-ce qu'il y a une Arlette ici? C'est toi Arlette? Viens, on acclame le Seigneur pour elle. Yahweh, 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 oh, tu es mon espérance. Tu vas bien? Comment tu t'appelles? Parle pas. Ézéchiel. C'est toi, Ézéchiel? Oh. Gloire à Dieu. Ça va aller. Ça va aller. Tu vois que le Seigneur te connaît? On t'a déjà vu? Alors, est-ce qu'on a déjà parlé tous les deux dans le bureau? Pas encore. Son papa est où? Il est en Belgique. Toi, tu vis en Belgique? Tu vis ici? Tu es marié? Tu n'es pas encore marié? Tu veux te marier? Tu pries pour ça? Bien sûr. Depuis quand? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Et ça ne vient pas? Parce qu'il y a un gros cadenas que le Seigneur vient d'ouvrir là. Jesus. Lâche! C'est bon, Arlette. Tan la la, tan tan tan. C'est bon, c'est fini. Mais n'oublie pas le Seigneur. Voilà. Fais une fête simple. D'accord? Et tu vas témoigner, tu vas témoigner. Il y avait quelque chose au niveau de ta famille qu'on a. D'accord? Maintenant, faut faire attention avec la colère, tout ça. Là, il ne faut pas ouvrir des portes. Parce que le Seigneur essuie tes larmes. C'est bon, c'est réglé. On a dit Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Oh, Dieu grand. Mm-hmm.
Dieu est bon. Oh, cet enfant est à toutes les réunions. Elle aime le Seigneur. Hein, tu aimes le Seigneur? Il habite où? À Draveil. Jésus habite où? Jésus habite où? À Draveil. Voilà. La dernière fois, c'était pareil. Hein? Ok. Bah, Jésus habite chez elle, quoi. Donc, elle a raison. Alléluia. Ah. Oh Seigneur, merci. Merci Père. Bénis cet enfant, Papa. Bénis-la, Seigneur Père. Sa maman est où? Viens. Plus avec son papa. Oh. Tu es baptisé? Hein? Tu n'es pas encore baptisé? Si? Oh, Dieu veut la libérer. Pendant que Dieu m'a conduit d'abord à prendre cet enfant là, et puis ensuite il me dit qu'il faut prier pour sa mère. Voilà, lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth, voilà, tu sors. Quand c'est comme ça, on prie dans son cœur, hein, comme vous le savez. Au nom de Dieu, au nom de Jésus, alléluia. Voilà. Elle a beaucoup souffert. Hein. Cet enfant a un appel très puissant sur sa vie. Et l'ennemi veut briser les parents pour pouvoir l'atteindre. Mm-hmm. Elle aussi, là, derrière, là, amène-la-moi, là. Il y a quelque chose sur elle. Oh Seigneur, Dieu guérit tes blessures. Tu vois, non? Ça va aller. Viens aussi. Le Seigneur me parle d'Odette. Qui connaît Odette ici, là? Il y a une Odette ici? C'est toi, Odette? Viens. Tu es marié? Tu es marié là-bas? Ok, venez. Ça va ton ventre? Ça va pas? Qu'est-ce qui va pas? J'ai des problèmes au niveau de la gauche, la hanche gauche. Ok. Donc c'est elle. Voilà. On a fait du vaudou contre toi. Tu travailles dans quoi? Je suis à TIE à Ville de Paris. Ville de Paris? Oui. La jalousie à cause de ça. On a fait du vaudou contre toi pour que tu meures. Voilà. Jesus, que c'est terrible parce que les gens souffrent. Hein. Sors! C'est des collègues du travail. Sors, au nom de Jésus. Lâche-la, lâche-la. Il y a un fil noir. On l'a attaché avec un fil noir là. Sors, chassez-moi ce démon de mort là. Jesus. Elle va voir après la prière là. Dieu va lui donner une promotion là. C'est bon. Tu peux rentrer chez toi. C'est bon, c'est réglé. Jesus. Qui connaît Mbo? Qui connaît Mbo ici? Mbo. C'est qui? Satan? C'est quoi? Ton cousin, il est là? Est-ce qu'il y a Mbo ici là? Mbo. Jesus Christ, alléluia. Mais viens, 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 viens. Le Seigneur me donne beaucoup de prénoms et de noms ici là. Ah, c'est toi que j'avais appelé. Nzouzi, qui connaît Nzouzi ici là? Alléluia. Oh, alléluia. Jesus Christ. Jesus. Voilà. C'est bon. Jesus. Viens. Ton cousin, il est chrétien? Pas vraiment. Tu peux venir avec lui lundi, s'il te plaît? Ben, on va l'appeler lundi. Ah bon?
Wow. Oh Seigneur, merci. Quelqu'un ici entend beaucoup de voix. Viens, tu entends beaucoup de voix. Je veux te voir. N'aie pas honte, on va prier pour toi. Viens. Oh, alléluia. Vous savez quoi? Parce qu'il s'est converti. Il a ouvert des portes. Les sorciers de sa famille veulent le rendre fou. Parce que par ses prières, ils ne font plus des réunions. Les réunions à chaque fois là. Oh, alléluia. Allez, go. Au nom de Yeshua, nous chassons la folie de sa vie. Tendons nos mains vers lui, prions pour lui au nom de Yeshua. Quelqu'un vomit tout ce qu'il mange à chaque fois. Tu as un problème de digestion. Cette maladie te ronge. Au nom de Yeshua. Depuis quand tu souffres de ça? 5 mois depuis le 12 juillet. 5 mois. Vous pensez que Dieu peut le guérir là, mes amis? Amen. Qui croit que Dieu peut le guérir? Oh, oh, alléluia. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Nous arrêtons ce problème, nous déclarons la guérison au nom de Yeshua. C'est réglé. Quand tu vomis, le temps où tu as mal à l'estomac. Tu as mal, mais tu ne vomis pas. Non, on a dit vomis. Dieu m'a dit, c'est pas toi. Il faut le discernement. Ah, Dieu parle, heureusement que Dieu parle. Oh. Qui connaît Alphonsine ici? Est-ce qu'il y a une Alphonsine ici? C'est toi? C'est toi Alphonsine? On acclame le Seigneur, viens ma soeur. Donnez-moi une chaise. Donnez-moi une chaise. Merci. Qui réalise que Dieu connaît vraiment ses enfants là? Que Dieu parle. Alors voilà. C'est quoi de la voyance, hein? Ah non. Moi je ne la connais pas cette dame. Dieu me dit, il faut que tu pries pour Alphonsine. Ah ben voilà. Qui est choqué? Voilà, au lieu d'aller consulter les voyants, venez à Jésus. C'est gratuit. Cette dame est venue pour la première fois, je crois. Qui est venu avec elle? C'est la première fois qu'elle vient? C'est la première fois? Voilà, c'est la première fois, donc je ne la connais pas pour ne pas dire que non, il y a une combine. Les gens aiment toujours dire, il y a des combines. Quelle combine? Si votre Dieu est mort, c'est le nôtre. Comment il s'appelle le nôtre? Il est comment? Un bisou. Mouah.